grande soirée débute des arrêts miraculeux et des tampons dans la gueule. Voilà, ce soir, c'est double jeu. Le biathlon de la coop avec Slapshot d'un côté, Axeball de l'autre, les bois patous d'un côté et les poilalas de l'autre. Ils sont là ou pas? Et oui, on est là! Ouais. Alors, ah, ça, Hérésie a ouvert sa porte, on a entendu le café. Bon. Stig, je crois que ton stream n'est pas lancé encore. Je reste Oh. peut-être. Bon, écoute, je sais pas. Oh. Tu me diras, écoute, vérifie, je veux bien. Normalement, j'ai Ah, si, c'est bien, lancé. ça vient de se lancer. Ah, voilà, il y a un petit décollage. Ah, Il y a un petit peut-être, décalage. C'est effectivement. vilain, c'est vilain. Alors, est-ce qu'on attend Mlacus? Ou est-ce qu'on Je suis là. commence? Ah, ben voilà, on n'entend pas Mlacus. Donc, c'est Kezuan maintenant qu'on attend. Ouais. Bien. Bah, il est sur le Discord, hein. Oui, mais il est mute parce qu'il n'est pas encore Il a dispo, il est en train été. de jouer. Il est en Il train. était placé Non, là, c'est pas de son gré. Kaido qui l'a ramené en fait, mais il était Mmh. AFK dans la Il était dans les AFK, ok. Bon, ben ça serait pas mal qu'il arrive, parce qu'après, ben, sinon on lui répétera les règles. C'est un truc qui lui vient rituel aussi, on en a l'habitude. 5 contre 5. Pour ceux qui n'ont pas compris, donc, il y aura un éliminé ce soir, ce qui fait que dans 2 heures, 1 heure et demie, vous serez 9. Oh, 9 pour lequel j'y vais, 9. De quoi faire une omelette? Non, ça c'était la semaine dernière. Rappelez-vous la semaine dernière. Allez, je m'en vais. Bonne soirée. On va pas en faire tout un fromage cette soirée. C'est reparti! Le reboot. Oh non, une semaine sans fin, ça recommence. Bon, mais ça y est, Encore dérapé, quoi. va être un vrai PC. Bon, on va vous donner les infos. Donc, les rouges, on vous charge de répéter à votre coéquipier quand il va arriver. Vous allez disputer des matchs successifs comme vous vous y attendez. Dans des modes 5v5, 2v2, 3v3, sur Axeball ou sur Slapshot. Voilà. Donc, on n'a pas de spectateurs. Pardon, on n'a pas de spectateurs ce soir, sinon ils auraient pu venir parce que les deux jeux ont des possibilités de spectateurs. Maintenant, quand une équipe remporte un match, ben, ça fait un point. Ça, voilà, pas de problème. La première équipe qui obtiendra 5 victoires aura l'immunité. Donc, il faut remporter 5 matchs. D'accord. Vous êtes très 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 Ça très va. attentif, ça fait peur. Ça va. C'est un peu. On vous annonce évidemment au fur et à mesure quel sera le prochain mode et si c'est les duos, les trios ou les équipes complètes qui doivent jouer. Vous vous connecterez dans les rooms. Donc moi je lance sur Axeball une salle qui s'appelle KLJV9 avec le mot de passe coin sans majuscule habituel. J'ai lancé une map, une partie KLJV soirée 5 sur Slapshot, avec mot de Oui. passe coin aussi. Alors Très bonjour, désolé de j'arrive en retard. Alors qu'est-ce que j'ai raté? Ah, bah on en est au vote. T'as toutes les règles dans le channel. T'as été éliminé. Alors. Et c'est pas. Donc, mais avant ça, on commence par. On va t'expliquer, Kezuan. Donc, ce qui est important, ce que tu dois savoir, c'est qu'on va annoncer à chaque fois si c'est le duo qui joue, le trio qui joue. Donc, ah, pour l'instant, on n'a pas encore dit les duos et les trios. On va l'annoncer avant de commencer. D'accord. Ou les matchs à 5. Et ça sera une succession de matchs, soit sur Axeball, soit sur Slapshot. La première des deux équipes qui remporte 5 victoires aura l'immunité. Donc, il faut gagner 5 matchs. On va préciser une petite règle qui décrit les matchs nuls. Si à la fin du match, alors on est sur Slapshot, à la fin du match, sur Slapshot, il y a un overtime qui n'est pas limité. Autrement dit, sur Slapshot, si à égalité, vous continuez à jouer, la première équipe qui marquera l'emporte. Et ça, d'après ce que Clyde me dit, et je crois volontiers, cet overtime, il n'est pas limité dans le temps. Sur Axeball, l'overtime est limité à 1 minute. Ce qui fait que sur Ah bon? Axeball, ah, moi c'est ce que Moi j'ai j'ai. vu un overtime de 4 minutes tout à l'heure, donc Ah ben écoute, j'ai vu des il y a overtime plus pas longs très aussi. longtemps. Très bien. Alors ça, oui, ok, ça y est, je viens de comprendre. L'overtime, il y a des grandes chances qu'il soit le même que le time limit. Ben, on verra bien. Alors voilà ce qui va se passer en tout cas. Je vous dis pas l'overtime puisque apparemment j'ai pas mes infos sûres. Axeball en cas d'égalité, ben, l'overtime continue. Alors là c'est pareil. La première équipe qui l'emporte
gagne. Et si on arrive à la fin de l'overtime dans Axball, par contre, le match s'arrête. Et à ce moment-là, s'il y a égalité, mais aucune des deux équipes ne marquera de points. Très bien. Voilà, c'est une possibilité. Donc, nous allons commencer. Clyno, c'est mal inchangé. Je ne vais pas se connecter à ta partie, a priori. Non, mais le premier match, c'est un slapshot. Ah, ouais. Et le mot de passe, c'est coin. Ouais. C'est tout le monde. Et quel est le premier match? Non, un 3v3. En 3v3. D'accord, vous me laissez une petite minute, Charles. Le temps de préparer la table et tout. Ouais, ok. Moi aussi, Clyde, faut que je rejoigne la partie. Okay. Je suis mute. J'arrive pas à rejoindre. Ouais, ce truc. Rejoins du coup là. Attendez, je vais recréer si vous arriviez pas. Je vais en recréer. Quoi, on met avec un C majuscule. Maintenant, je recommence. Ok. Point en minuscule. Pendant ce temps, vous pouvez vous connecter au Axball en même temps, hein, si vous, jamais vous avez le moyen d'avoir deux fenêtres. Alors je sais bien que pour Veit, ça va pas être évident. Ouais, c'est bon. Alors, spectateur. Ce sera le 2v2 sur Axball. Là, tu verras. Wait and see. Il me manque 3. Les paramètres sont pas les bons là. Moi les paramètres sont bons. Non mais je veux dire sur Xbox, je répondais à notre ami Le Puce. Ok. Mais Veit, faut que tu te mettes chez les bleus. Les bleus. Je crois qu'il freeze. Alors. Ok. Join. Il manque plus que question et ça sera tout bon. Voilà, donc on découvre en direct les trios. Et par déduction, des duos. Les duos. Coulupus. Ah. Alors le KJV est tellement casu que les joueurs sont en même temps spectateurs dans le chat. Du Twitch, donc c'est incroyable. Tous. Alors Kezuan, c'est marrant parce qu'il a des manies, il arrive en retard et il s'en va et il revient. C'est comme une chose. On va appeler ça l'instant Kezuan. Non mais peut-être qu'on devrait commencer à 20h50. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Twitch? Ils ont dit, qu'est-ce que vous pensez de l'instant Kajouen? Les rouges vont gagner. Alors, ils ont mis les rouges vont gagner. Et personne qui a dit ça est très, très partiale, je trouve, d'ailleurs. C'est Ashcrew? C'est un fan. Ashcrew n'a pas encore, pas encore popé. Ah non, mais c'est vrai qu'Ashcrew, il ne peut pas venir ce soir. Ah bon? T'en sais des choses. Il m'a dit ça hier. Ouais, mais le KJV, il l'intéresse plus. Hein. Il a coupé les ponts. Hein. Bah non, il vient s'entraîner. Il est en déplacement. Alors, je viens de découvrir que dans Slapshot, il y a un succès pour mettre le son de la musique à zéro. On t'attend dans l'équipe rouge. Ok, c'est quelle salle? KLJV9, mot de passe, coin. Ok, attends. Ah. Oui. Ah ouais. Super succès. Oui. Ok, je suis porte rouge. Allez, go! Allez! Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y en a qu'une petite virgule? Il manque un rouge là, non? Ouais, il manque un rouge. C'est Nozu. Pourquoi c'est ça? C'est bon, il est là. Les paramètres, ça a enlevé, je crois. Oula. Ouais, c'est lent là. Ah bah. Pas tout pour trinquer. Eh oui, c'est. Ah, Nozu est à gauche. Attention. Nozu est parti. Non, Nozu a crash. L'inconfort est total. Ouais. Ah, c'est si long. Bande de sagouins. Clyde. Pas entraîné.
Nozu est plus en partie, on continue ou pas? Bah oui, on a dit qu'on continue, hein, malheureusement. Ouais, ouais, je vais rejoindre. Vous vous êtes pas entraîné avec la vitesse lente? Non. Non. Ah, alors du coup, vous connaissez pas la vitesse rapide non plus? Ouais, on a essayé. Non, nous, on connaît que la vitesse normale. Par contre, ah, je et... vois. Ah si, allez. Allez, le bas. Exactement le bas, la même chose, le bas. C'est exactement la même chose, c'est juste que... C'est plus garde calme, sois patient. Je garde calme et je suis patient. Hein. Vous deviennent fous. Deviennent fous. Oui. Ah, je l'ai. Est-ce que les secondes s'écoulent plus lentement aussi oui. Non, pas du tout. Si, regarde. Les secondes, c'est x2. Ah non, il y a un oiseau sauvage qui est apparu. Attention au hors-jeu. Oui. Alors, on va laisser charger. Hop là, vas-y, Kenny. C'est bien. Oh là là. Ouh. Oh, l'erreur. Oh, c'était pas mal. J'ai un nouveau en défense. Et un avec moi. Ouais, je crois que je vais rester dans le but. Alors là, c'est. Vas-y. Là, passe. Là. Dommage, j'avais pas. Réveille. Attention, Nozu. Je suis devant. Hop là. Ouais, go, Calobin. Dommage. C'est bon, je l'ai. Merci. En fait, les rouges, ils ont décidé de jouer à 1 contre 3. Mais ça marche, on dirait. Ouf. Défini, marche. Ah là, il y a deux Il y a deux handicapés avec, ouais. J'ai 2 secondes de délai. Oh, vas-y, Kézuan. Ah ouais. Ah. Non. Arrivez-vous, ah, gros demi-mal. Gros demi-mal. N'y allez pas tous les trois. Ouais, pardon, je... Magic, tu... Ouais, oh, ouais. Vas-y, win. Oh là 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 là. Oh, très bien. Zinedine. Faut continuer comme ça. Oh, pas ça. En fait, tout ce que t'as fait. Ouf. Dommage. Mais ils ont l'air de galérer les petits bonhommes sur la glace, c'est horrible. Ah non, c'est un bon match, hein, ouais. C'est franchement. On souffre pour eux quoi. Non. On souffre avec eux en fait. Non, pas du tout. Oh là là, ils ont l'air sur ce mode, on va leur mettre. Bah oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça qu'il faut. Et Mlacus, bien joué les gars. Mlacus, t'as fait le mieux Loba. Allez, revoyons la scène au ralenti. Devant le replay, vite fait. Au ralenti, c'est indispensable. Ah ouais. Mettre beaucoup de coquilles, les gars. Très beau de Blackus, y'a pas à dire. Ouais. Et j'ai même mon replay qui lag, c'est triste. Bah du coup 6. Ouais. Oui Loba. Allez. Bien ça. Allez. Ouais Loba, vas-y. Allez. Ouais, dommage. Oh. Un vrai pilier. Allez, rachète ton honneur. Oh, dommage, c'est bien. Je sais pas, tirer droit, c'est... Non mais t'étais au bon endroit, c'est pas grave, c'est pas grave. Avant, c'est ma question. Pas que tu tires devant toi. C'est bien ça. Voilà, parfait. Très bien. Faut pas chercher des fois. Hein. Faut balancer devant et tu vois ce qui se passe. Ah, j'ai crash. N'oubliez pas, vous menez. Non, c'est bon. Oui, dommage. C'est belle celle-là. Ici, je l'ai récupéré. Je l'ai. Vas-y, si tu peux le faire, Je sens les joueurs qui se crient sur la manette parce que ça va trop loin. Mazou, c'est ton moment. Allez, je l'ai mise. C'est toi. J'ai racheté le verre. Vous voyez, Blackfish est capable de marquer 2 buts dans un match. Oui. Et c'est quand même la phase décisive quand même. Là, je crois que Nozu maintenant voit le tir passer. J'essaye de... Ouais, je pense... J'essaie plus de me mettre sur le côté pour éviter celle qui arrivait, mais je vais faire ça. Non, parfait. Allez, comme on a fait l'entraînement. Je peux même pas bouger. C'est bien ça. Parfait, Magic. Allez, Loba. Vas-y, va-tu. Reste plutôt en arrière pour protéger. Nice. Oh, quelle feinte. On évite. Vas-y, ok, je fonce dessus, je me mets au centre. C'est bien, Vas-y. Ouais, jolie la passe. Belle réception, oui, c'est beau, c'est beau. On dirait un joueur italien au tir au but dans, du Coupe du Monde, quoi. Oulala, attention, pas de sujet qui fâche. En même temps, c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Italie en Coupe du Monde. C'est vrai. Oh, Nozu qui sort son but.
Alors, je crois qu'il a pas encore conscience qu'il est sorti du but. Vous avez vu, j'ai fait un tir. Je sais jouer. Oui, très bien, Vate, t'as tapé dans la nuque. C'est pas grave, c'est pas grave. Le fameux coup de la biscotte. Ah, dommage. Ouais. Monte dessus, Kezuan, monte dessus. Vas-y, Kezuan, vas-y. Tire. Vas-y, tire. Oui, dommage, très bien. Bon. C'était bien. Ah, si vous voulez tirer hors du but, ouais, c'était parfait. Ah, il va tirer, c'est déjà quelque chose qu'on n'a pas beaucoup. T'as pas un carré, ouais, toi, non. Eh, vous la connaissez, mais ça fonctionne quand même, donc... Ah là... C'est pas qu'il effondrait, Hérésie, au mini-golf, hein. Ouais. Bah, je me la mets à moi aussi, la pression psychologique, en fait, malheureusement. Non, ça, je l'ai. Je suis pas... immunisé contre moi-même. Ah, merde. Ah, y'a plus personne, il est plus là. C'est le moment. Attention. Oui, bien joué. Oh, ça, c'est un bel arrêt. Ah. On n'était pas à 3 sur la balle, les gars. Vas-y, ok. Je le mets dans les goals en attendant. C'est bon. Renvoie le bas. Renvoie là. Je vous demande de vous arrêter. En attendant que, que nous nous reconnaissons. Reste en défense. Pour l'instant. Oh, 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 oh là, ah, j'ai un gros freeze. Ah, non, vas-y, Bacchus. Vas-y, Bacchus. Non, dommage. Ah, ouais. Bon, de toute façon, il y avait deux personnes dans les buts, donc but, c'était chaud. Hein. Mais. Ouais, mais ça aurait coûté essayer. Dégage. Non. Allez, l'aube. Ah là 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 là. C'est bon, j'ai. Vous gênez pas, vous gênez pas. Ouais, ouais. Hop. Collez-le. Vas-y, Kijan. C'est pour toi, là. Ok. Je gêne Vate. Alors, moi, je dis que pour être fair play, vous devrez marquer un but contre votre, camp pour montrer quand même comment. Que vous êtes fair play à fond. Oui, oui, mais bien sûr. Et les bleus, ils perdent un joueur aussi pendant... pour montrer le fair play. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Hein. On a déjà fait des oh là 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 là, ce sauvetage de Magic. Très belle arrêt de Magic. Oh, la feinte. Alors, Kesson a l'air d'être doué au billard parce qu'il arrive toujours à anticiper l'endroit où le palais va arriver. Ouais, ouais. Il a un bon placement. Oh. Il est bien placé. Il tire au but. Montez, monte le bas, monte. Ouais, mais. Ouf le bas, oui monte. Allez, 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 allez. Oui. Oh là 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 là, ce sauvetage. Allez, allez. Alors là, vas-y, Kizvian. C'était bien. Ouais, je sais. Oh, bien joué le bas. Oui le bas. Non, vas-y, non, non. Oh allez. 45 secondes à tenir. Défense. 45 longues secondes. Pas dans les buts. T'inquiétez pas, je reste dans les buts. Ah non, c'était Mlacus. Ouais, c'est... non, c'était moi encore. Non, mais Mlacus, c'est Mlacus qui a mis tous les buts de ce match. C'est ça. Hein, c'est... play of the game. Mlacus, meilleur joueur du match. Vas-y. Faut attaquer, les gars. Perdre 2-1-3, on s'en fout. C'est pas Blood Bowl. Renvoyez les rouges. Renvoyez. Ouais, 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 on vient gêner, on envoie. Le bas, attention. Ouais, non, mais t'inquiète, oh, regarde. On sait bien que nos ouïes n'ont pas le... Allez, Magic, c'est ton moment. Magic, j'ai une touche, pousse-la, c'est le moment, pousse-la. Allez. Ah, plus jamais je me mode du subutéo, c'est terminé. Vas-y, Kizian, c'est pour toi. C'est horrible en fait. Chaque seconde de pèse. Oh là là là. En début de soirée, quand on a dit 5 victoires, j'ai dit bah ça bouffait tant que j'en ai une demi-heure, mais finalement non. Attention, ah non, parce qu'il faut une demi-heure par match. Oui, superbe. Bien joué. Bon, c'était beau. Au moins, l'équipe bleue rouge a pu montrer qu'elle pouvait mettre un but. Mlacus 3, Loba 1. J'avais pas dit que c'était des épreuves individuelles. Ah, attention. Oh. Allez, 10 secondes. Ouais. Même les secondes sont loin de s'afficher. Éternel. Oh, quel nul. Allez, c'est pas grave. Maîtriser, Nozu. Voilà, Nozu, je me mets en dos. Ouais, bien joué, c'est bien. Continue à attaquer, c'est bon.
Nice, bien joué les gars. Superbe, bien joué. On a gagné. T'as joué le bas surtout là. Et qu'ils aient aussi très bien joué. Bien joué, bien joué. Alors la suite, la suite va se dérouler sur Axe Ball avec les deux duos qui n'ont pas joué. On peut rejoindre aussi en... Ouais, ouais, ouais. Le mot de passe, c'est coin. Vous pouvez rejoindre. Et comment on trouve la... Ouais, tu fais comment pour trouver? Ah ben, demande à Veit et normalement, elle devrait avoir un ping correct. Alors, les rouges se mettent rouges et les jaunes se mettent chez les bleus, bien sûr. Et c'est 1-2-2. Allez, les gars. Deuxième point, là. Est-ce qu'on attend encore des gens sur le mode spectateur ou pas? Oh non, je vais lancer. Ok, je regarde sur le stream. En cours de route, je pense. Il y a Simon, est-ce qu'on bouge dans notre salon? Ils ont bougé les deux. Ouais, on peut faire ça. Allez. C'est aussi quel JV. Allez, c'est parti. Ah, tu sens le stress hein, s'ils bougent dans leur salon. Ouais. Il y avait de la tension sur le dernier match quand même. Ouais. Oh là là, c'est du hockey aussi. Un autre genre. Ouais. Dans le genre moins fun. Moins technique, on va dire. Ah, mais Noril, salut Noril. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai réglé pour 3 minutes et c'est pas parti en fait. La partie va durer qu'une minute, c'est bizarre, mais bon, c'est pas grave. Bah non, 3 minutes ? Ouais, c'est marqué. Ouais, non, c'est bon. Ah non, d'accord, ok, ça marche. Le chrono, ok, je prenais le chrono en compte à rebours. Sinon, le chrono il apparaît rouge quand t'arrives sur la fin. Ouais, exact. Pff, alors, j'en ai fait 1h30 aujourd'hui là. Là, je m'attendais pas à ce que le compteur aussi soit ralenti. Allez, but des rouges. Ah oui, non, mais ça, c'était rigolo, quoi. Oui, allez, c'était la partie était intense. Ouais, enfin, rigolo, à définir. Ah, l'égalisation. Ouais. Ah non, c'était pas si rigolo que ça. Je vais aller dans le salon des rouges et puis, et puis des bleus. Si, qui fait de l'Inter. Ouais. Il passe. Ah, joli gène. Oh, Jean. J'attends. Oui, nice. Ah, j'ai fait gaffe pour en défense. Je me mets devant. C'est bon, ça a été contré. Je pousse. Vas-y, je l'engole. Attention. Putain. Bien joué. Au tir. Faut faire gaffe de pas l'envoyer sur eux surtout. C'est mieux de garder le contrôle de la balle, ils peuvent moins le contrôler. J'essaye de pousser hein, mais c'est pas le jeu le plus simple pour ça. Il va. Gaffe. Ah, dommage. Ouais, fallait essayer. 20 secondes après overtime. Vas-y. Oui. Oh. Non. Fait.
risqué. Putain. Ouais, mais il fallait. Ah, elle passe pas. Bon, là, on est en overtime. De toute façon, on fait 2-2, donc ça vient même, mais... Dites pas shoot P derrière. Non, non, derrière. Oh, tu fais quoi? Putain, j'ai bugué avec mes doigts. Vous pouvez rester là, les autres vont arriver. Ok. Ah, c'est moche ça. Ouais. Ouais, j'ai bien joué quand même. Bon, ça fait quand même déjà 2-0. Hein. Ouais, il faut pas hésiter, hein. Tu tires tout droit. Au voilà. Bien joué. Vous pouvez vous connecter parce qu'on va faire le match suivant sur X-Ball. En 5v5. 5v5 sur X-Ball, ok. Ouais, 5v5. Okay. Mettez-vous dans les équipes rouges et les jaunes, allez chez les bleus. J'ai un truc à tenter. Alors, X-Ball, tac, 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 play. Il s'appelle KLJV, Ouais, KLJV 9. KLJV 9, là. Moi, je retourne chez les poils à l'air. Hein. Ouais, retournez, on se déplace. Ouais, on se déplace, j'arrive. Voilà. Bon, ben c'est bon, on y va. Je reste dans le but, ouais, dans c'est la ça, c'est un truc avec les vraies règles. Oh non, on n'est pas. Ah non, pas les vraies règles. Non, elle peut sortir, elle peut sortir. Pression. Il n'y a pas de. J'essaie de monter. Allez, si tu veux au centre, tu veux au centre. Les puces aussi, je reste un peu dans l'angle. Ouais. Hop. Protège le flanc. Vas-y, les puces. C'est bait, le voit pas tout. 4. Je tue. Les puces. Vas-y, plus rien dans le je suis. Je suis derrière. Je suis dessus. Oh là là, c'est enfer. Putain, il est derrière le but. Vas-y, Loba, je suis dessus. Là, ils sont plein dessus. Ouais, faut des joueurs à la réception. Ouais, pouce, c'est bien. Attends, je voulais voir si on pouvait la marquer derrière le but. Attention, retour autour de Nozo. Essaye de choper Nozo. Je vais sur drag, je vais sur drag. Joli. Je préférerais intercepter si jamais il y avait. On sent les 5v5 en vrai, si on peut faire des nuls, c'est ouais, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Victoire à 4. Vas-y. Ouais. C'est bon. Parfait. Il est beaucoup trop grand, quoi. Chier. Tu. Vas-y, on continue. Poussez. Faites presser. Vas-y, pas si bon que ça hein, sur Axe Ball. C'est. Tu m'as rappelé que tu étais pas mauvais sur deux double soccer, hein, mais bon. Ah, tout se perd, hein. Ouais, ouais. Joli, Kazuan. Moi, je vais venir drag. Le hey. Plus, hey. On va essayer d'être en flèche, en je vais fait. Venir drag, je vais sur drag. Vas-y, j'y vais. Hey. Dommage, ça partait bien. Nozo est parti. Ouais. Encore, c'est pas vrai. C'est... Ah, si, c'est une horreur. Plus deux, hein, c'est très bien. Ouais, ouais, tant qu'on joue chez un, c'est cool. Le bas. Allez, la passe peut-être, ouais, c'est peut-être. Ouais, j'ai essayé, mais le truc c'est de retourner la balle, bon. C'est compliqué quoi. Ouais, ouais, clairement. On n'est pas sur un jeu de foot classique quoi, tu vois. Non. Vas-y, Mlacus, devant. Ouais. Oh, quel centre. Faut être à 3 ou 4 dessus, il y en a quand même un qui doit rester un peu plus en retrait. Vas-y. Ah, pardon. Ah, non. Vas-y, me la question direct. Je vais dessus. Encore. Ah, super grand quand même. Vas-y, Révi. J'y vais. Pas qu'il puisse l'avoir. Tu as bloqué Keshwan. Ah, c'est bon. Vas-y, Magic. Me la question. Hop, on va dégager comme ça. Je bloque le puce. Vas-y, là ils vont. Ok, ils se regroupent tous autour de la balle. Ah, ouais, c'est pas grave. Je l'ai.
côté Magic. Vas-y, mets la cuisse, Magic. Ah non, c'est bon, c'est Magic, du coup. N'hésitez pas à dire quand vous allez dessus. Hein. C'est, pour l'instant, je reste un peu en retrait. Go, 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 go! Ah, fiché. Je reste en retrait, je te laisse, Vait. Ben. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas de sortie. Non, par contre, on peut dégager quand même la balle à certains spots. Là où il y a les sortes de lignes, on peut les on peut dégager. Donc, du coup, on peut tirer un corner. Je bloque simulateur. Hop, c'est bon. Ah, ouais, il reste encore 4 minutes. Hein. Non, il en reste 12. Centre, tape devant. Joli, parfait, c'est bon. On est un peu trop rapproché les uns des autres, je pense, mais après. Ah, pression. Allez, je vais faire la pression, je vais essayer de la remettre vers le centre. Nice, bien vu. J'y vais, je vais la chercher. Je reviens derrière. Posez le bain. Ah, merci. Vas-y, Kijon, d'ailleurs pour toi. Allez, on continue. On essaie de rester chez eux. Ouais. Vas-y. Voilà, allez. Ah, dommage, j'ai loupé. J'ai le contre-pied. Vas-y, je continue de descendre. Fonce dessus, Simon. Je vais la chercher. Je le fais chier. Mince. Oh là, mince. C'était nul. Vas-y, Lucus. Je drague. Voilà, bien joué, Lucus. Tiens, drague. Vas-y, continue de pousser les pieds. C'est bon ça. Ouais. On doit aller vers le centre. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de la partie, je pense. Non, je sais pas ce qui se passe. Quel enfer! De le retour de ce mode de merde. C'est un stade climatisé. En fait, c'est un mode Mario Kart, il y a des trucs qui se déclenchent. C'est un nuage. Qu'est-ce que le fuck? C'est juste au moment où on attaquait, quoi, fait chier. Je crois que c'est Sig. Allez, Simon. Voilà. Non, je suis pour rien, moi. C'est pas pour ça. Ouais. Bien sûr. C'est ça. Le camp haut, j'y vais. Le plus. Non, mais c'était l'envahissement du terrain par les spectateurs, c'est ça. Non, bravo. Attends. J'y vais. Vas-y, je gêne. Simon. Ah, je l'ai. Je vais vers le centre, je tiens Magic. Vas-y, Simon. Attention. Bien joué, c'est ce qu'il fallait. Au centre. Cas dans le goal. Je le mets dans les goals. Ok, je continue de faire pression. Kizwan, vas-y. Nice, Joli. On pousse. Allez, on monte. Je prends. Je continue, je pousse. Vas-y. Continue à pousser. Je reste derrière. Je suis en récup. Ah, il me passe. Je vais la chercher. Ah, mince, j'ai pas réussi. Non, Loba, sorti trop haute. Ouais. C'est pas grave. Allez, on monte à 2, 3. Allez, montez à 3, je reste derrière. Pourquoi ça pose pas là? Ah si, c'est bon. Hop. Allez. C'est un contre-temps, ça peut le faire. Bon, je redescends. Là-bas. C'est la tape. Allez, j'y vais. Vas-y. Merde. J'ai essayé de contrôler, j'aurais jamais dû. C'est bon. Loba, dégage. J'essaye. C'est bon. Pose dessus. J'y vais. Nice, PLA 2. Ah mince. C'est vraiment du chien. Allez, on y va le plus. Ouais, nice. Ouais, là, y'a moyen. Je suis devant. Vas-y. Si, vas-y. Reste dans le coin, si besoin. C'est un peu relou. Allez. C'est un peu relou de se coincer ici. Vas-y, Simon, dessus. Et... Ah. Je pensais que t'allais y aller, en fait. Ils vont pas chercher à la décoincer. Non, c'est clair. Non, ils vont bloquer dans le coin. Vas-y, on essaie de la sortir. Vas-y, pousse. Allez, 10 secondes, on peut le faire. C'est là où être à 4 contre 5, c'est impossible. Ouais, oh la saleté. Comment tu veux faire quelque chose avec ça, quoi? Ouais, non, mais à 4v5, tu peux. Franchement, rien faire, vous êtes bien défendu, hein. Vous auriez dû rester en 0-0.
Ouais, bah bon. Ah, pareil. On mène toujours, on mène toujours. Mmh. Ouais, désolé que ce soit comme ça. Ouais, non, mais c'est pas ta faute. Non, non, clairement pas. La suite, ce sera sur Slapshot. Ok. C'est quoi? Clido va vous l'annoncer. On n'a qu'à retourner dans la salle comme. Non, mais non, il n'y a personne. Ah bah. C'est bon. Allez. Alors. Allez. La technique de la tortue pour le foot, je ne connaissais pas. Ouais. On a vu la tactique de la tortue bonne, derrière. C'est une super strat, hein. À 4 contre 5, c'est une super bonne strat. Bien joué. Non, on va faire des mêlées. Hein. Mbappé. Donc, alors. À 4 contre 4, ça marche aussi. Hein. Le passage du drone géant là au-dessus du truc, je n'y suis ouais, pour rien. Ouais, c'est un peu chelou. C'est ouais, je trouve, ouais, mais c'est comme ça. C'est pas moi. Hein. C'est pas que moi. C'était une partie de ton anatomie. Ouais. Moi, je dis comme par hasard, c'était quand la balle était proche de rentrer dans notre but. Ah oui, un but en nocturne, ça aurait été magique. Donc 2-1 pour les poils là. Le prochain match, c'est sur Slapshot, donc. Slapshot, oui. Et alors, c'est. C'est du 2v2. C'est les fameux okay. 2v2. Allez, les gars. Vous nous les explosez. C'est bien, ils savent pas compter. Johan, est-ce que tu peux sortir, s'il te plaît? Ah, pardon. T'es dans le chat. Merci. Voilà. Ah, Drake, t'as des kicks de la partie, je crois. Mais j'avais quitté le jeu tout à l'heure. C'est celle de. Clido ou... C'est KLJV, là. C'est Clido. C'est celle de Sig. C'est celle de Sig. Vu qu'il n'y a pas Clido dedans, je suppose que c'est celle de Sig. Non, c'est l'autre qu'il faut aller dans KLJV. Non. C'est, J'ai parti sur Slapshot, moi je ne savais même pas. Je me défends, Rudy. Quand Clido a quitté, Sig a dû récupérer la partie. Ouais, quitter la partie de Sig. D'accord. Ok. Alors, c'est JV9, Clydopad tout en bas, mot de passe coin. Tout à fait. C'est du 3 minutes. Oui. Ok. Eh ben, bonne chance. Bonne chance. Good luck. Je redescends, Hérésis. Vous voulez redescendre dans vos équipes. Voilà. Allez, cette fois-ci, on gagne. La manette est mise. Pensant que c'est les deux meilleurs hein, chez eux. Simon a un très très bon shot. Hein. Ok. Moi, j'ai fait quelques tirs au but tout à l'heure. C'est lancé. Oh, on est en ultra rapide. Merde. On va faire ça. Vas-y. Alors, il m'a repoussé. Je me mets en def. Éviter les tirs de loin, ça peut vraiment fonctionner, le mode de jeu. Allez, reviens. Vas-y. Oh! Oui.
Il va. J'ai la jambe qui bouge tout seul. Ah putain, chier, je l'arrête. Dégage. La drague, il va pas te lâcher, hein, tu. C'est pas spécialement entraîné, hein. Il va, il va. Ah, chier. Allez. Bonjour, l'overtime, hein. Ouais, ouais. Voilà. Non. Désolé. Bah, c'est un bon tir. Allez, encore. Ouais. Allez, remonte. Allez, il suffit de faire un autre but. Yes. Ah, de quoi? Ah oui, mais là. Ah bah non, c'est overtime. En overtime, là, c'est ce qu'ils ont pas dit. Ouais, ouais. Ah, suite. Allez, remonte. Joli match, en tout cas. Match. Bravo, drague. Ouais, oui. C'est pour le suspense, c'est impeccable. Hein. Merci, hein. C'est génial. Deux partout. Ah, c'était plein de. Plein de sel. Non, non, il n'y avait pas de sel dans cette partie. C'était plein de tension et de maîtrise. Vous avez vu le moment où j'ai dribblé tout le monde et que j'ai pas réussi à marquer. Et la toupie, là, ça m'a fait peur. Alors, on va revenir sur Axeball. Ah, et du coup, c'est du 3v3. Et voilà. Ah, oh, je suis tellement fort. Qui est perspicace. On perd qui là? Spicace. Mais en fait, encore une fois, alors Axeball, c'est du classico classique, hein, donc on peut pas juger la qualité de ce jeu parce qu'il peut pas être mauvais. Mais Slapshot, il a un petit goût de reviens-y. Hein. Et j'espère qu'ils ont corrigé le serveur dans Blocky Ball parce que j'aimais bien aussi. Alors c'est 6 minutes ou 6 buts. 6 minutes ou 6 buts, mettez-vous dans. Avant de commenter, je dis juste un truc, je préfère me déco du Discord pour choper un max de coups. D'accord. Pas que je... Ok, ça marche. Ok. Ok. Du coup, on passe dans le chat. Vous voulez être plus tranquille, c'est mieux pour communiquer. Mmh. Répartissez-vous dans vos équipes. Moi, je vais aller s'encorger. Ah, moi, je vais le rejoindre, sinon, je serai tout seul. Stressant ces matchs quand même. Ouais. Donc écoute. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? On a dit du 3 contre 3, pas du 5 contre 5. Il y a Drago qui. Ouais, c'est moi qui l'ai mis, je déconne. Donc c'est bon, on a nos 3. Alors Malakus, Veit et Magic contre Kezuan. Loba et Nozu. Loba et Nozu pour le futsal. C'est parti. Je sais pas ce que t'en penses, Sting, mais c'est bien tendu hein, dans les équipes. Ouais. Et les matchs. Ouais, c'est. Ouais, mais après, voilà. Ça, c'est le petit enjeu, là. Oh, est-ce que tu nous as remis un drone sur cette map? Mais attends, non, mais je tu sais, j'ai et Magic, il sauve des buts. J'ai découvert ça tout à l'heure, je savais pas du tout ce que c'était. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que eux le voient aussi? Je me suis dit, c'était catastrophique. On entend que c'est connecté? C'est moi. Ah, salut Cuillère. Le champion. Eh, hey, Cuillère. Eh, hey, ça te dit pas? Ça te rappelle des bons souvenirs? On regarde le but. Arrête, en vrai, Axeball, j'y ai trop joué, quoi. J'ai un collègue à l'époque, toutes nos pauses midi, on jouait à Axeball une heure. Et je suis toujours aussi mauvais. Hein. Ouais, d'accord. Ben là, Nozu vient de claquer un but, là. Là, il joue 6 minutes. Et à Slapshot, je peux pas modifier le nombre de buts. C'est bizarre. Ah. Slapshot, c'est le genre de jeu où on peut modifier ça, la gravité. Oh là 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 là. Ouais, mais. Ah ouais, on peut modifier la gravité, ça alors. Ah oui, on peut. Ah, mais, génial, non, mais je fais l'innocent. Je fais. Ah, Nozu a dû se déco, il est derrière le but encore. Oh là là. Mais il a quoi? Il a vraiment un problème réseau là? Oui, bah il est en. Il est en déménagement. Déménagement, c'est la merde. Pour lui. Il est revenu.
Oh là là, et c'est, lui, et c'est lui le plus dangereux. Hein. Si, si sur ce jeu-là, ouais, mais par contre, sur Slapshot, c'est lui qui a coûté la victoire. Ouais. Il n'y a pas d'autres spectateurs, quoi. Non. Ces petits efflats, ils sont morts. Ah, t'es sûr. Ah. Et Rata, elle a son micro coupé, quoi, comme d'hab. Là, c'est 6 minutes, ça va être long. Les punis, Rata. Elle est au coin. C'est vrai que c'est pas palpitant. Oh, enfin. Donc, but de Veit. Ce que j'aime bien, c'est les sons de la foule quand on s'approche du but ou quand il y a un but, t'as les gens qui crient, t'as, tu vois là. Mais quelle ambiance. Donc là, il y a deux partout, cuillère, tu vois là, c'est. Ouais, ouais, c'est tendu. Là, hein. ils ont rattrapé les rouges. Hein. C'est clutch parce que c'est la première équipe à 5 victoires, donc là, celui qui chope la 3ème. 5 Ouah, mais ça va être trop long la soirée, quoi. Pas du tout, on est à deux partout déjà. Regarde. Bah, deux partout, c'est. Vous avez fait même pas la moitié. J'avais une heure. Temps. Non, mais, c'est l'inconfort, mais c'est l'inconfort, les gars. Ah oui, non, mais je sais, non, mais ce genre de soirée, c'est, ça tue, quoi. Sur ces jeux pourris. Non, petit mais. 10 minutes, bon, ça va. Attends, mais. Mais pendant 2 heures. Oh, c'est le caca qui parle, là. Regarde, comme Loba, il s'amuse bien, t'as vu ça. Loba, il s'endort, là. Ah non, non, attends. Oh putain. C'est quoi ce but en bois? Bah c'est un contre. Ouais. Ouais, les contres là-dessus, ça part n'importe comment. Et puis là, regarde, ce mode de jeu futsal, la balle est toute petite en fait, donc c'est encore plus rigolo. Ouais, ouais. Oui, c'est assez horrible. Elle a l'air d'avoir plus de vélocité aussi, genre quand tu la tapes, elle est un peu plus vive. T'as raison. T'as sûrement raison, ouais. Oui, c'est plus rapide. Allez, talonnade! Oula! Talonnade, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si, ça veut rien dire. Oh, Nozu, qu'est-ce qu'il a foutu là? Oula! Oh, joli! Ah, Nozu, il score! C'est Nozu qui marque? Ouais, il score! Ouh, putain! Ouais, elle est belle! Hein. Moi, je suis un peu en retard! Hein. Ouais, c'est pas mal! Ouais, Nozu, il gère pas mal! Hein. Ouais! Il doit être un habitué à Axeball, non? C'est quand même super connu, Axeball! Oui, c'est un truc qui a une douzaine d'années. En tout cas, pas au KLJV. Ah ouais, personne. Ouais, une fois, il a servi, une fois ou deux. A servi la soirée des mots fléchés. Ouais, et la première saison aussi. Oui. Ouais, c'est bizarre parce que moi, je pensais que c'était un truc genre un classique de. Ah oui. Enfin, pour moi, c'est le jeu de foot de référence, c'est celui-là, quoi. C'est clair. Dans ce mode. Ah, voilà, regarde Nozu. Oh non, il bouffe la feuille. Mais Nozu! Oh là là, ils doivent être dégoûtés les autres. Ils vont le virer, c'est sûr. Non, non, mais il arrose, hein, il arrose. Hein. Ouf. C'est qui Suan qui est pas très utile au jeu de foot là. Bah avant sur l'autre truc, ça va, il a bien géré là, le truc de. Ah hockey, il là. A, il a, bon, il bon là il a fait n'importe trucs. Quoi là. Il fait 2-3 trucs. Ils vont jouer la montre. Ouais, mais il y a 2-2 là. Bah ouais, personne peut jouer la montre là. Allez, il reste une t'es minute. T'es bourré, hein. Clido. Non, si, tu peux jouer la montre sur le principe où il y a match nul. Donc ah tu bon accordes pas un point aux autres. Il y a match nul tant que t'accordes pas un point aux autres, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais si tu te débrouilles pour qu'il y ait personne qui marque, il y a aucune équipe qui prend le dessus. Et alors? Oui, mais il y a forcément. Après, il y a overtime quoi, et c'est jusqu'à ce d'une que tu viennes marquer maximum. Un but. Non, ah putain, ok. Non, ouais, alors, du coup, après, tu recommences un match et du coup, personne fait de points. Putain, c'est encore pire. Ouais, alors c'est la surprise parce que l'overtime, je crois que c'était une minute, mais Rézy a dit qu'il a vu des overtimes de 4 minutes. Alors, ouais, moi ça me paraît bizarre. Ah non, t'as raison, là ça commence à clignoter. Ouais, non, mais est-ce qu'on s'approche des 6 minutes hein, la durée du match est de 6 là. Donc. Ah oui, ok, oui, compris. Ouf. Allez, Kazuan. Non, Kazuan. Ah, il a raté le. Voilà, il doit criser là. Allez, 8 secondes, là, bah, c'est après, là, c'est là même s'il marquer. La tapait, ça rentrait pas, ils étaient tous les deux devant. Ouais, mais pour le moral de Kessuan... Pourquoi? Overtime. Allez.
Bon, mon ouais, collègue, tu vois, il était trop fort, quoi. Sur il jouait à... Oh là là. À 1 contre 4, il nous battait, quoi. Oh là là. Mais en même temps, c'est toi l'adversaire. Ah ouais, non, mais on était 4. Oh là là. Alors, moi, j'étais le plus mauvais de l'équipe, ok, mais... Oh but de Mlaku, ça fait mal, hein, à l'overtime. Oh là là. Oh là là, là, ça va. Alors ça... qu'ils ont maîtrisé, ils gagnaient tout le match, tu vois. C'était tout le match, ça se battait sur le côté des jaunes, oui, là. Mais... Et une fois, ils sont remontés, ils se sont fait niquer, quoi. Bien joué. Oh là là. Ils sont nuls quand même, les rouges, là. Oh là là. Ah bah ça. Ils sont revenus. C'est parce que je suis pas dans leur équipe. Oh là là. Ok. Allez, 3-2. 3-2 pour les... Ne pas la peau de l'ours avant de l'avoir gagné. Bois pas tout. Kaido, je crois que la suite, c'est sur Slapshot, c'est ça, Oh, un 5v5 à Slapshot. Ah, tu... ouais, c'est génial, un 5v5 Slapshot. Monsieur, prends des notes. Kaido, tu dois recréer la salle ou pas? Non, ça devrait être bon. Hello, bah, est-ce que tu t'amuses? Oui, pourquoi? Ah, d'accord. Non, parce que Sig, il a affirmé que tu t'amusais avant, moi, je suis resté dubitatif. Alors, il nous manque Magic. Magic et Nozu. Il l'a dit avec tellement d'aplomb que ça pouvait pas être sincère, quoi. Oui, c'est quoi comme match là? 5v5. 5v5 sur Slapshot. Ça m'a. Ah, Magic bon, a dû relancer le jeu. Plus. Magic est reparti faire du dodgit en attendant. Non, j'ai désinstallé. Moi, tu dis ça, mais bon. Je suis sûr que t'as débarrassé de cette drogue. Il a bricolé une version portable sur clé USB. Oh là là. Alors, si le stade ne change pas, il faut pas se fier au nom. On redescend. Yes. C'est en combien de temps? 3 minutes? 10 minutes. 10 minutes, ok. Il y a. Ça va. Une limite de but? Comme d'hab, 3. Ouais, en 10 minutes, vous allez bien mettre 3 buts, non, quand même? D'ailleurs, ok, ça s'appelle des buts. Ouais, je pense. Non, c'est des paniers, non? C'est des paniers de crabes. C'est bizarre, non? C'est vraiment des buts. Des paniers de crabes, ça s'appelle. C'est pour ça que t'es là. Simonator, on te descend ou pas? Pan! Ouais, j'ai. Je suis plus dans le jeu, moi. T'es plus dans le jeu. Allez, il est parti. Attends, je vais aller voir ce qu'il veut. Voilà, vivement 22h que j'aille me coucher, quoi. Ah, dans 5 minutes, tu verras pas la fin de la soirée, c'est dommage. Ouais, bon. Ouais, ça me laissera la surprise pour demain, pour savoir qui est viré, quoi. Ça t'aurait plu, Slapshot, toi? Slapshot, non, pas du tout. Infernal, quoi. Oh là là, regarde, regarder, non, c'est non, marrant, non, les voir attends, souffrir dessus, c'est attends, marrant. Attends, regarde, Kaido, il a mis le truc hyper rapide, mais c'est un gros malade. Non, un truc de fou là. Mais ils vont être collés au mur à H24 là pendant 10 minutes. Attends, 10 minutes, non, mais 10 minutes, c'est pas possible. 10 minutes parce que c'est en x2 la vitesse. Ah d'accord. Ah, ok, d'accord, ça augmente la vitesse. Quoi, c'est caca, c'est un peu caca là. Oh, c'est génial, quoi. Oh, il se plaignait qu'il n'y avait pas assez de... Ouais. Oh là là, le ballon qui passe derrière. Est-ce que tu peux réduire la vitesse? Oui, c'est la première partie. Ouais, il a fait tout à l'heure. Oh là là, dommage, j'aurais trop aimé voir, quoi. Je vais aller... En tout cas, à 25%, tu sais. Je vais aller dans les chans. Je balance des mauvaises souvenirs de... Ah non. Il est bien, ce mode. À 5 en rapide. Ah ouais, là, c'est pas du tout le même, hein. Ou dommage, ouais, c'est bien, c'est ce genre de choses. Il faut que quelqu'un reste juste devant le goal adverse pour pouvoir dévier les balles qui arrivent, je crois. Ouais. Non. Ouf, elle est où? Ouais. C'est bon. Oui, c'est beau, ça. Oui. Bien joué. On est déjà un cinquième du temps, les gars. Jeff, il va suivre le palais des yeux. Bien joué. Allez. On continue comme ça. Allez. Ça marche en fait de pas tirer. Ouais, faut juste pousser ici, pousser comme des veaux. C'est bien ça. Allez, hop, on pousse. c'est bien ça, on pousse. Allez, veaux. Hop, c'est bon, c'est passé. C'est bien, on pousse. Allez, presque. Allez, madame. On y va. Yes, allez. Ah, pousse,
faire des mains techniques. Je connaissais celle-là, elle a travaillé à l'entraînement. C'est le match d'avant. Quoi. Allez, on pousse. Ok, est-ce qu'il y a le palais? J'y vais. Où est le palais? J'y vais. Allez, allez. Ah, ils vont faire la même technique que nous? Ah, dommage. Regarde, ils sont nuls, ils arrivent pas. Oh. Ah mince. J'y vais. Mais c'est peut-être fini. Non. Attends, c'est juste qu'il. Bien joué, le servir de Nezu. C'est faisable, hein, les gars. Wouah, salaud. N'importe quoi, spot. Il faut donner des coups de crosse. Ouais, faut donner des full coups de crosse, hein, les gars. Ouais, j'ai l'impression que c'est. Non, pas par là. Oh là là. Avancez. Ah. Voilà. Allez, 5-2, il reste du temps. Et tout droit, voilà. Avec plus de 2 de retard. Elle est où le page? Derrière. Hésitez pas à faire des body blocks, hein, les gars. Et on avance. Non, attends. Faut bourrer. On avance. On bourre. Ah putain. Il fait à chaque fois 4, hein, donc si on. Putain, j'ai brûlé. C'est impossible quoi. Il faut faire la toupie. Il faut pas non plus. Hein. Merde, je l'arrête. Oh les belles. Il m'a complètement passé. N'hésitez pas aussi à faire de temps en temps une petite toupie des familles quand vous êtes au milieu de tout ce beau monde. Ouais, ça met de l'ordre. Les CRS apprécient. Alors... Allez, il faut pousser, il faut pousser. C'est bien. Ah mince, j'ai loupé. Ah, où est-ce qu'il est? Non. Allez, on pousse comme des bourrins. On bourre. C'est la technique. Allez! Ah, dommage! Je m'ai acheté au milieu, j'ai pas réussi à la récupérer. Ouf. Ça a dévié drag, c'est bon. Allez, poussez! Ouais! Allez, dommage! Ouf! Hein, oula! C'est bon, on s'en est sorti. Pas encore. C'est bon, on s'en sort, allez, on continue, 49. Yes, c'est pas évident de tirer, hein. Oh, alors là, on peut pas tirer, hein. Non. Ah, c'est le porteur de leur équipe, en vrai, c'est... Ah ouais, hein. Il est super bon.
J'ai beaucoup de mal avec cette vitesse. Oh, t'es pas le seul, hein. Oui. Oh. Ah, dommage. Allez. Ouais. Allez, on pousse. Ah, dommage. Allez, on y va, on pousse. Chier. 10 secondes. Ah merde, ça rate. 1 minute. Allez, dis-moi. Allez, les gars. Allez, c'est bien ça. Et on pousse. Ah merde, merde. Ah. Oh putain. Ah, c'est énervant. Encore une Allez. Fois, c'est si frustrant d'être à 4 contre 5. Oh, dommage. Allez. On aurait pas dû s'entraîner avec Drag. C'est ça, on vient d'une équipe. Allez, c'est bien, ça, c'est bien. Deux mois. Dommage. Overtime. Allez. On est reparti. Oh merde. Ouf. Attention. C'est bon. Non, volé, on est volé. Regarde, le jeu ne bouge pas, quoi. Ah. On joue pour le spectacle ou on joue pas pour le spectacle? Bah ouais, c'était beau, Régis. Dans les goals, c'est compliqué, quoi. Ouais, désolé pour vous. Non, t'es pas désolé, arrête. Miton Drag. Allez, n'empêche, moi je dis ça, je dis rien, mais si Kessoa n'avait pas marqué contre son camp, on n'en serait pas là. C'est pas faux. Prochain match. Le mec qui essaye d'orienter les votes et tout. Bah non, mais votez pas contre nos joues, c'est pas sa faute. Ah, Claido, viens en orga une minute, s'il te plaît. Yes. Là, on a fini la rotation. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas en 5v5 pour tout le reste ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Ou on les laisse repartir en duo trio? Ouais, c'est toi qui vois là. Bon, pour écoute, coup, on garde ce qu'on avait. Même. Bah, de toute façon, il n'y a plus qu'une victoire pour les gens. On est à 4 à 2. Oui, mais attends, ça veut pas dire qu'ils vont l'avoir. On est à 4 à 2, donc on reste comme on était. C'est je vais baisser le temps de la prochaine map vu que je l'ai en. Ok. En lent. D'accord. Je vais mettre 2 minutes. D'accord. On reste sur ce qu'on a dit alors 3 ouais, 3, on reste, et... ouais, on repart comme on était, ouais. C'est ça. Ok. Amlacus de viser Nozu, même s'il gardait les buts au cas où il se fait déco et qu'il disparaisse. Et les deux buts qu'il a marqués, à chaque fois il tirait sur Nozu et ça ricochait, ça rentrait dans le but. Alors, prochain match, ça sera. On fait d'autres pas, en fait, je suis neutre. Slapshot en 3v3, s'il vous plaît. Ah! Spectate alors. 3v3. Ouais. On est à combien en termes de score? 4-2. 4-2. Et ça finit à combien? J'avais pas su. Premier à 5. Ok, bon bah je redéco, ça me fait vraiment moins laguer. D'accord. Okay. Bon, là, on reste dans le public, Drag, ou on les rejoint? On va les rejoindre. Hein. C'est pas la même ambiance, c'est pour ça que je demande. Tu peux rester ici si tu veux, mais les petits conseils peuvent aider. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, pas le droit de donner des conseils. On lâche rien. On a combien de points de retard? 2 points de retard? C'est ça. Allez, on se remotive. Ouais, c'est chiant que ça se déco, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, bah, un jeu d'équipe où tu peux pas avoir Nozu en vocal parce qu'il lag. Ouais, c'est chaud, quoi. Mais bon. On va faire avec. Bonne merde. Allez, les gars. Oh là là. Oh, ça repartit sur du lent en plus, quoi. Bien joué, Kezuan, c'est bien. Vas-y, je suis derrière toi. Hop.
Ah nous on n'a pas du lent, c'est bien le lent. Ah bah pour contrôler le palais, ouais, c'est pas mal. Oh la petite feinte. Oh dommage. Oh, oui. Parfait, Kevin. Très bien. Elle était très belle celle-là. Très bien placée, très belle passe. Belle finition, y'a tout. Ah. Petite feinte. Oh oui. La petite remise de veille. Ah, fallait pas la rater là. Ah ça, si je l'avais raté, c'était foutu. Ça marche hein, cette petite technique. Ouais, ça marche. Oh dommage. Vas-y Nozu. Oui Nozu. Je vais te prendre tout à l'heure. Ouf, le sauvetage, il était beau. Ah dommage. Non, c'est bien, c'est bien. Vous venez, on joue chez eux. Je redescends en défense, Kejvan, vas-y. Vaut mieux que Nozu soit devant en fait, hein, parce que ouais. Sinon. Mais lui la pression, Kejvan. Je vais la récupérer. Nozu a l'air de pouvoir jouer. On va voir. Ouais, évite de sortir si tu peux pas parler avec Nozu en fait. Ouais, j'ai pas fait. C'est chiant, mais. Allez, Nozu, allez. Allez, Kejvan, c'est pour toi, César. Ouais. Dégage. C'est pas grave, c'est bien. On mène encore une fois. Oh. Loba, elle va être pour toi. Viens de redescendre dans le goal. Ouais, Nozu descend, c'est bien. Nozu descend, c'est bien. Ça défend. Allez, Kejvan, c'est pour toi. Hop. J'y vais. On prépare la frappe, c'est. Je crois qu'on a perdu Nozu, là. Oh non. Ouais, ah non, c'est bien. La love. Il est revenu. Reste dans les cages, voilà. Ouais, je reste en défense. Kejvan fait pression. C'est bien. On a l'avantage, il reste une minute. Ouais. Il remonte le bas. Ah mince. Ouais, allez, vas-y Nozu. Vas-y, va aider Nozu. Ouais, okay. Vas-y, c'est bien. Vas-y, suis le palais, Kejvan. Reste dans les buts le bas. Ouais. Tu vas. Ah non, c'est Nozu qui l'a eu. Bien. Là, t'y vas. Kejvan reste en défense. Merci. Pour l'instant. Tant que Loba n'a pas dégagé. Hop. Celui qui dégage pour moi, c'est Veil qui fait le travail. Ouf. On revient en défense Loba. Kejvan couvre les cages. On va essayer de parer au tempo. De toute façon, là, voilà, renvoie. On a l'avantage. Oh, vas-y Loba, ça c'est le break. Je peux faire. Non, c'est un dommage. Ouais, il a défendu. Dégage devant. Salut, c'est petit. Hop là. Yeah. C'est bien Loba. Allez. Ah dommage. Nozu est en train de monter. Vous avez ouais. 10 secondes à tenir. Merde, beau ça. C'est bon. On gère. C'est bon, défense. Ça devrait être bon. Bloqué là. Ouais, on la laisse là, c'est pas grave. Nozu, elle a compris. Ça sera bonne guerre. GG. Bien joué. Allez, les gars. Allez, ça, un point de retard. 4 à 3. En lent. Je croirais en Suisse. C'était très beau. C'est poétique presque. Voilà. Donc, il ouais, y a eu des belles actions. Voilà. On ralentit, mais des belles actions. On voyait mieux. Donc, ça sera le 2v2 sur Axeball. Et juste avant que le 2v2, vous avez pensé quoi de la carte toute petite avec super vitesse? Super, insupportable. C'était génial. Moi, j'adorais. Ah, ça, c'était cool. Ça a bien joué sur cette partie. Ouais, le drag, t'as géré quand même. Pas sur cette partie, sur toutes les parties, monsieur. Ouais, mais sur celle-là particulièrement. Bah, je crois que j'ai mis presque tous les goals. Simon, avec moi. Ouais. Il y a un goal que t'as mis, il y avait Veit et moi en support de goal.
Prêt? Vous êtes un 2v2? Non, loin de là. Non, là, c'est un 4. If Vate et Magic, vous devez sortir du. De l'Axe Ball. Et Simon. C'est bon. Loba. Et il y a Loba. Ouais, là, c'est bon. Par contre, c'est quoi les modes, les conditions? 3 minutes, 3 buts. Ok, oui. Je redescends. Hein. Ouais. C'est 3 minutes et 3 buts. Hein. Ok. C'est parti. Nice, voilà, c'est parti. Bien joué, ça. Je serai derrière. Je me mets devant. Je suis au centre. On recule un peu. Ouais, j'y vais. Et pour toi? Merde, mal tiré. Je me mets en défense. Ouais, allez, Simon. Fais pression. Dangereux. Je suis pas derrière. Temporisé. Merde! Sorry. Allez, les gars, on l'a fait en rien. Nice, c'est bien. Oh. Hop là, je bloque Drag. Je peux pas le bloquer. Attention, là, il va la pousser. Ah, chier. C'était moi, je suis trop en retrait. Vas-y, avance. En haut. Alors, j'ai essayé de faire un truc, mais c'est un peu compliqué. Je suis obligé d'essayer de faire pression. Moi. Pas mal ça. Oui. Ça rentre. Oui. Allez, du temps d'or. Je me mets devant. Vas-y, je suis obligé. Nice, parfait. Ils m'ont bloqué. Oh. Allez, Simon. Ah, dommage. Merde. Attention. J'ai cherché Dragou. Ah, bien joué. Ah, putain, non. Ah oui, c'était en 3 buts. Ouais. Ah, putain. Ouais. Oh. Ah mais c'est ceux qui ont fait le KL7 savent que c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup. Du coup, je me mets encore plus la pression parce que je me dis non, je dois gagner à ce jeu. Ah. En tout cas, bien joué. Il y avait rien de gagné de sur tous les matchs qu'on a fait. Quoi. Ah bah 3-2, c'est pas une grosse défaite. Quoi. Non, je parle pas. Enfin celui-là particulièrement, mais tous les autres, franchement, à chaque fois ça s'est joué de peu. Hein. Keswan, si je te taunte, c'est pas méchant. Hein, c'est juste pour le jeu, au cas où. Ne le prends pas mal. Hein, surtout venant de moi. Surtout venant de moi. Ah oui non, si t'as le soutien de Rata, c'est tu perds. Merci Rata. Cette année, elle a pas dit que j'étais son favori, donc normalement, je devrais pouvoir ne pas trop me faire trahir. Ça dépendra qui est éliminé. Allô, bas. C'est le moment de sortir le string. Qu'est-ce que tu parles? J'ai pas de string, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, ah la coquine. À poil, Loba. À poil. Je suis sûr qu'il a le hack. Il va tout hacker. Alors on n'est pas aux cartes bonus pour l'instant, mais les rouges ont perdu. Donc score final c'est du 5 à 3. Victoire donc des Bois Patou ce soir qui seront 5, qui seront là tous les 5 la semaine prochaine. Parce que ils ont atteint la condition qu'on avait fixée au départ, donc on va demander aux Poilala de se rendre dans leur salon. Ils ont peut-être des choses à se dire dans le blanc des yeux avant de voter dans les larmes. Allez les Poilala dans le salon.
Bon. Hop, je suis là. Non. On fait une petite autopsie de, bah, de votre défaite. Alors, moi, j'ai pas l'impression que vous perdez de beaucoup. Il y a pas mal de matchs. Ouais, pas mal de matchs que vous perdez de justesse d'un but en étant souvent un de moins. Combien de matchs vous avez été impacté par l'absence, par la déco de Nozou? 4. C'est parce que le premier, en fait, dans les 5v5, c'était compliqué. Puis en fait, même quand Nozou, du coup, réussissait à jouer, ben, en fait, il était plus en vocal. Ouais. Dans un jeu d'équipe, c'est compliqué, quoi. Ouais, t'as tout à fait raison. Ouais, ça. Disons que. C'était de la peste ou le choléra. Ouais. Nozou, est-ce que les soucis de connexion que tu as, ils sont passagers? Ça va. T'as une solution à venir dans les jours qui Tu qui peux répéter, c'est que j'ai lagué. Ah, d'accord. Est-ce que les soucis de connexion que tu as vont s'arranger ou pas? Oui, c'est parce que je suis dans un Airbnb. J'ai pas encore de logement pour l'instant. Donc, d'accord. Et surtout que je suis. En vrai, j'ai réussi à vraiment tout mettre au minimum, à tout couper sur le PC. D'accord. L'autre jeu lag pas, donc c'est vraiment la connexion. Mais je sais que ça ne durera pas. En tout cas, tant que. Ça m'étonnerait qu'une coloc ait une connexion aussi pour. Ouais, en tout cas, bravo pour cette recherche de l'inconfort. Hein. C'est vrai qu'on peut que saluer. Ah bah là. On peut que saluer la volonté, quoi. Le gars qui veut vraiment faire un KLJV plus dur que les autres. Là, ce soir, c'est. Ah, au fond de la Bretagne pour faire ça. Au fond de la Bretagne, ouais. Bon, donc là, c'est le moment pas facile pour vous parce que. Alors, d'abord, à part Nozou, Kezuan, Loba, Simonator, il y a quelque chose à dire sur les matchs où on vous a vu faire quand même des choses pas trop mal, mais trop de buts encaissés, trop de choses où vous meniez. Il y a pas mal de parties où vous étiez en tête et ça perd à la fin. Ouais. Et à un moment donné, on a peut-être qu'on a eu un petit coup de pression, ou peut-être qu'on a eu ces petites erreurs, ces petits détails, mais. C'est imperceptible, mais qui ont fait que voilà, ça a donné le résultat qu'on a. Ouais, pourtant, tout le monde y a mis du sien, aussi bien Loba, Lupus, Simon, que. Bah ouais, c'est ça, c'est qu'on sait. Aussi Nozou, qui est même, même dans les conditions pas évidentes pour lui, c'est quand même bien ébroué. On est confiant. J'ai fait hein. quelques petites bourdes, mais en fait, tout le monde s'est donné à fond. Ouais, c'est ça, on s'est entraîné et on est confiant parce que voilà, leur meilleur joueur en face, c'est Drag, et Drag, il s'est entraîné avec nous, quoi. Parce que la team en face, il y avait en gros que Drag et Rezi qui géraient un minimum le jeu de hockey. Ce qui fait que je crois que ça n'a vraiment pas eu de chance. Et les décodes de Nozou n'ont pas aidé, c'est sûr. Mais voilà, ça se joue pas grand chose. C'est des petites imperfections par-ci par-là qu'on a pas eu de bol, quoi. Finalement, qu'on a trop voulu jouer. On s'est aussi beaucoup entraîné au hockey normal. Ouais, d'accord. Qu'on a pas testé les autres modes de jeu. Pas spécialement au mode 3 minutes qui n'empêche et vachement court, en fait. Je vais pas dire, on a quand même gagné les deux matchs lents. Voilà, c'est tout. Exact. Notamment. Cette partie, alors bon, on en parlera avec les autres aussi tout à l'heure, mais cette partie là où vous jouez en poussant, cette partie hyper rapide, vous jouez en poussant, donc ça marche, vous menez 5-1, je crois. Et vous perdez. Ouais, et après, c'est Drake qui se réveille et qui nous met tout. Bah là encore, tu regardes, c'est le moment où on a commencé à prendre des buts, c'est le moment où Nozou a eu des décos, c'est et vrai. Il était en piqué dans les buts. Et en fait, bah, quand t'as un piqué dans les buts sur de la glace, bah, ça glisse, quoi. C'est vrai. Ok. Bon, écoutez, l'urne de vote est ouverte. Donc, j'attends sur Steam vos messages avec le pseudo du coéquipier contre qui vous votez ce soir. Qui souhaitez vous éliminer avec un commentaire ou un au revoir.
un petit truc, une petite musique mortuaire là à mettre en fond, parce que ouais, ouais, c'est pas ce qui se passe, hein, mais... j'ai étudié ça, ouais, j'ai bossé sur une petite piano, soundboard, j'ai même trouvé des musiques. Mais on joue sur le tire-larme, tu vois. Ça c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai tout ce qu'il faut, mais ça peut-être, viendra peut-être pour le dépouillement surtout. Parce que là, c'est le vote. Alors, ben, j'ai les 5 votes. On va pouvoir retourner dans la salle d'attente pour le dépouillement public. Attention, ça remonte. Ah. Re. Alors, le vote a eu lieu. On avait commencé aussi un petit débrief de la soirée. On va en reparler hein, avec tout le monde. Les poilala ont mis en avant les choses qui les ont gênés ce soir, alors que je pense qu'ils se pensaient mieux entraînés que les jaunes. Mais là, ils ont voté. C'est l'actualité des 5 prochaines minutes. Ah, Hérésie, est-ce que tu peux fermer la porte de la cuisine? Je vais fermer la porte de la cuisine. Allez. Elle a muté son appart. C'est mieux que l'appart. Ouais. Sinon, on n'entendra pas les papiers. J'ai reçu 5 votes des poilala, donc avant que le dépouillement ne commence, est-ce que l'un d'entre vous souhaite jouer un collier d'immunité ou un bonus qu'il aurait en sa possession? Non. Alors, premier bulletin. Kezuan. Bulletin numéro 2. Kezuan. Bulletin suivant. Nozu. Il reste 2 bulletins, mais le prochain peut déjà être décisif. Kezuan. Dernier bulletin. Kezuan. Donc, Kezuan, la tribu des Poilala a décidé de t'éliminer et leur sentence est irrévocable. Tu es donc éliminé ce soir du KLJV. Et tu as la parole quand tu veux. Alors, je ne sais pas quoi dire. Je suis à la fois déçu et à la fois content. Déçu parce que bon, se faire sortir parce que sans doute peut-être à cause de l'erreur que j'ai faite pendant le match. En 5v5, et ça a dû jouer dans tout ça, peut-être aussi parce que Nozo n'allait pas se faire sortir parce qu'il avait excuse du problème de réseau, un peu comme ce qu'il y avait pour Veit la semaine dernière. Et d'un autre côté, j'ai pas spécialement de peine parce que déjà j'ai fait un meilleur parcours que l'an dernier déjà. Ça confirme que les gens en équipe et moi, ça fait 12. Et puis voilà, quoi. Je pense que... Ouais, c'était le résultat le plus logique, en final. Ouais, moi, je comprends ce que tu dis. Tu peux pas rougir de ton parcours. Là, je sais pas, tes coéquipiers, je sais pas s'ils diront, s'ils ont voté pour une raison liée à un match, à une erreur ou autre. Ah, c'est vrai que t'as été plus loin que l'an dernier, parce que là, l'an dernier, t'étais éliminé dès le départ, tandis que là, t'auras fait quand même plusieurs soirées. Les taux se resserrent, hein. C'est un peu l'entonnoir pour rentrer dans les places en dessous de 10. Après, tu dis, oui, en effet, Nozu, on va en parler, il y a le lag, et puis après, comme tu dis, Nozu n'allait peut-être pas se faire sortir, parce que on sent qu'il y a des forces qui ne sont pas... toujours apparentes, qui font que certains ont plus d'appui que toi, qui n'a pas eu une carrière très longue dans le KLJV. Après, voilà, il fallait l'éliminer. Là, ton équipe a été unanime, mais les messages qui vont paraître sont quand même bienveillants. Voilà, il n'y a pas à rougir d'être éliminé quand il y en a eu 3 avant. Alors, tu sais qu'il y a l'épreuve de résurrection dans quelques semaines.
tu auras l'occasion d'y participer si tu es volontaire. Et tu vas donc peut-être jouer contre Vactro, Septimus et notre éliminé de la semaine dernière qui s'appelle Flad et qui était il y a quelques minutes parmi nous. Donc ben, ça sera ton choix à ce moment-là pour peut-être revenir dans le KLJV alors qu'il restera encore moins de joueurs que maintenant. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, justement, je pense que tout est dit. Bon, mais tu vas pouvoir essayer de continuer à prendre le pouvoir dans la même académie, puisque là, tu auras encore plus de temps. Bon, alors maintenant, la parole à l'autre équipe d'abord. Les Bois Patou, cette soirée. Alors bon, évidemment, on va passer truc d'usage. Voilà, on a gagné parce qu'on savait qu'on allait gagner. Mais est-ce que vous vous sentiez prêt à tenir sur Slapshot et sur l'autre jeu par rapport au Poilala? Très honnêtement. On doit remercier Nozu d'avoir respecté la consigne. C'est bon. très honnêtement, non. On pensait vraiment pas la gagner. Surtout quand on a vu les heures d'entraînement de l'équipe en face comparée à la nôtre. Je crois qu'il y a peut-être Veit et Drag qui ont un peu joué à Axe Ball. Perso, je l'ai lancé une fois, j'ai pas trouvé de partie auquel jouer, donc j'ai juste vu les commandes avant d'arriver. Ouais, mais Axe Ball, tu connaissais déjà, donc c'était pas... Bah, Axe Ball, non, celui-là, non. Mais je connaissais le concept, c'est pour ça que je me suis dit, oui. Bon, normalement, je devrais avoir de bons restes. Slapshot, il suffit de regarder les heures, même si ça triche un petit peu, peut-être avec de l'AFK. On a du Lupus à 12h, Loba à 7h. 7h 6,9 Keswan à 5h et nous en face j'ai pas les stats de Drag, mais Veit est celui qui a le plus d'entraînement avec 5,2 heures. Moi j'ai 8h dessus. T'as 8h, ok. Moi j'ai un quart d'heure. Voilà. Non, t'as 1h20. Enfin, t'as 1h. Le blocus à 3h, un peu plus de 3h, c'est pas mal. Voilà. On était pas mal en dessous de vous en termes d'entraînement. On avait vu le niveau de Simon et de Lupus avec Drag. On savait que ce serait tendu si on se retrouvait en 2v2 contre eux. Quelle surprise, on s'est retrouvé en 2v2 contre eux. Ça s'est joué à rien à chaque match, quoi. C'était une bonne soirée. Bah surtout parce qu'on a gagné, mais c'était une bonne soirée quand même en général. C'est vrai que sur chaque match, on pouvait gagner. Ouais. Il n'y avait pas un écart de niveau conséquent d'une équipe qui roulait sur l'autre, comme on a pu le connaître dans certains autres jeux. Non, c'était serré. Hein, ça a été une soirée tendue quand même. On ne te cache pas notre déception, parce que on s'est bien amusé à l'entraînement. Vraiment, l'entraînement, voilà. On a passé un chouette week-end, on a joué à fond, on a coupé le jeu. Et avec Drag maintenant. Aucun regret de s'être entraîné avec Drag pendant toute la semaine, parce que c'est ce que je disais même pendant l'entraînement, c'est dommage en fait qu'on n'ait pas forcément eu tous l'occasion de s'entraîner comme on a pu le faire. Ça aurait pu faire vraiment quelque chose de fun, quoi. Ouais. Je vais me permettre une question justement sur ce que tu dis, Lupus. Alors moi je comprends le plaisir que tu as eu à t'entraîner avec Dragou ou réciproquement, mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'en s'entraînant avec un des meilleurs ou peut-être le meilleur joueur des jaunes, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu montes son niveau en même temps et que, comme un boomerang, ça vous revient dans la tronche à cette occasion ? Non, c'est bien amusé, c'est ce qui compte. Ouais, pas spécialement en fait. Mais Simonatoire, oui, vous êtes amusé, mais vous avez perdu. Certes, mais après, ça a fait une bonne soirée. En vrai, de toute façon, il n'y avait pas tant de monde que ça. Je t'invite à lancer une partie en online sur Slapshot. Y a pas tellement de marge de progression parce que les gens sont extrêmement bons et tu passes tes parties à te prendre des buts, et du coup si on voulait avoir un aperçu de ce qu'allait donner un 3v3, bah, il fallait qu'on joue ensemble en fait. Je te dis ça parce que je comprends, bon, je pense que je comprends très bien ce que tu dis.
Mais bon, moi qui ai connu d'autres KLJV, je trouve que ta position et celle de Simonator, elle est très généreuse. Parce que ben ouais, tu te regroupes avec les autres pour t'entraîner, mais dans ce jeu, quand tu as détecté qu'il y a une courbe d'apprentissage, qu'il y a du skill à développer, et que tu vois que finalement Dragoo et son équipe n'ont pas beaucoup d'occasions de s'entraîner, s'entraîner avec eux, qu'ils s'entraînent avec vous, ben ça lui permet comment dire, alors je sais pas contre toi Dragoo bien sûr, mais c'est la position de quelqu'un qui dit ben tiens, le mec d'en face vient t'entraîner avec nous, comme ça on est plus nombreux. Mais sans détecter qu'à un moment donné, le mardi, il va être au top grâce au fait que vous l'invitez aux entraînements. Alors Simonator qui dit ah ben ouais mais on s'est amusé. D'accord, ok. Mais alors votre but premier, c'était pas de vous entraîner et de distancer les autres en skill, c'était de s'amuser et de préparer une soirée amusante. On s'est pris au jeu en fait. On s'est pris alors, que c'est du fun. Donc voilà, plus on était, plus le jeu était amusant. Ouais, ok. Et on s'est aspiré parce que le jeu était fun. Moi, je dirais aussi que on peut prendre ça comme un retour, un retour de service, parce que quand j'ai joué, à un moment on jouait juste avec Drag, on avait mis le jeu en serveur avec un mot de passe, et il y a Lupus et Simon qui ont débarqué en disant hey, il faut changer de mot de passe, hein, sinon on vous envahit. Et on a fait bah restez, on s'amusera. Et du coup, je pense que c'est comme ça que ça s'est décidé, ah, ouais, que tout le monde allait s'entraîner avec tout le monde, parce que c'est un jeu d'équipe et que on peut pas jouer en équipe si on est un nombre impair déjà. Et on a même fait des matchs où j'étais avec Simon et Lupus était avec Drag. Ouais, on a même échangé les équipes de temps en temps parce que voilà, encore une fois, c'est... Le jeu a une courbe d'apprentissage qui est dégueulasse. De toute façon, même si on avait joué 20 heures, on n'aurait pas spécialement été bon. Donc, Et je suis quand même platine 2. Hein. Autant, tu vois, on essaie de te donner des vues, Sig, en proposant du beau jeu. Remercie-nous. Oh, mais tu sais, je te remercie, si tu veux, je te remercie. Après, je suis pas en train de faire la chasse aux vues, sinon, il faudrait proposer quand même autre chose. Par contre, ouais, c'est, voilà, moi, c'est une position qui m'étonne. Alors, elle est partagée, vous êtes tous d'accord, mais bon, ça, je conteste pas, je peux vous dire comment penser, mais il y a quelque chose qui m'alerte sur ça. Il n'y a pas de réponse à ce que j'ai dit en fait. La réponse c'est. Attends, on ne comprend pas le truc en fait. Il y a deux discussions là. Moi je dis, mais pourquoi on s'entraîne avec le meilleur de l'équipe en face? Parce que lui, ses partenaires sont moins présents. Et que on se dit pas à un moment donné, mais attends, il s'entraîne avec nous, c'est chouette, on s'amuse bien, mais mardi il sera au top, il connaîtra aussi nos forces et nos faiblesses, et en s'entraînant avec nous en équipe, il devient très bon. Et on répond, on s'est pris au jeu, on s'est amusé, donc finalement vous avez partagé un truc parce que vous avez tous le même son de cloche. Il y en a pas un qui dit attends, c'est vrai, ça finalement on a nourri le loup avec le lait de la brebis, et puis le loup, alors le loup c'est Dragoo, mettons. Après, il n'y a pas ce truc là qui vous fait tiquer, parce que votre objectif, l'idée c'était que c'était mieux à plusieurs, on s'amusait et tout ça. Donc les rouges, mais vous avez quand même perdu. On a confiance aussi, hein. Parce qu'on a vu que l'autre équipe s'entraînait pas forcément, et on s'est dit il y avait que Drag et Drag et Veit qui étaient entraînés et les autres pas forcément. Et maintenant ça va quand même dans les deux sens aussi, parce que je t'avais quand même aidé, j'ai filé le plus de conseils possible. Ici Nozu qui se connecte une heure avant, je dis ben non, on prend la manette parce que clavier tu vas pas avoir le temps de t'en sortir malheureusement. Bon, c'était pas ça. Mais bon. Et à côté, le fait que je sois là, ça permet aussi à Blue Plus de te blesser, quoi. Non, c'est pas ça, c'est que c'est un. Comment dire, on avait personne de notre niveau avec qui jouer. Et au final, les entraînements nous ont permis de tous nous tirer vers le haut. C'était pas que dans un sens. Et effectivement, parce que le Lupus à 3h et le Lupus à 8h, c'est plus le même Lupus. Hein. Ouais, ils étaient avec moi vendredi. On avait rejoint ensemble, t'as train, quoi. On a tous progressé sur le week-end. Ouais, Loba et Simon, ils ont eu une progression qui a été très très bonne en peu de temps, quoi. Mais aussi parce que il y avait drag ou moi en face. Si j'avais été tout seul, ils ne seraient peut-être pas devenus aussi bons. Alors ça n'a pas été déterminant pour gagner. Ouais, mais ça s'est pas joué à grand chose. Donc voilà. Donc ça veut dire que par exemple, s'il y avait un jeu d'équipe qui était proposé la semaine prochaine,
vous agirez de la même façon. Vous êtes 4, ils sont 5, mais si y a moyen de s'entraîner avec eux parce que c'est mieux à plusieurs, vous ferez de la même façon. Je vais bien, ouais. De jeu. Bien. Parce que là, c'est du jeu d'équipe de sport, donc après, il y a tous les aléas aussi des parties qu'on a comme ça, quoi. C'est jamais déterminé à l'avance. Si on avait eu un quintet ou un truc comme ça où t'as vraiment besoin de faire des stratégies, là, peut-être que ça aurait été différent. Et aussi, comme il y avait, peu de gens qui étaient présents aux entraînements, donc c'est aussi ça, là, c'est soit personne ne s'entraînait ou ça allait être vraiment pas représentatif de l'entraînement, soit ils s'entraînaient ensemble, et du coup, c'est le défi que je trouve, j'aime aussi beaucoup, de celui qui va progresser le plus rapidement possible. Ouais, c'est clairement ça. Mmh. Et c'est moi. Il nous a survolé sur la soirée, sur Snapchat à un moment, et voilà. Et on assume nos conneries. Hein. Après. Non, moi, c'est de la curiosité parce que j'ai connu même peut-être Clydo qui a fait des KLJV il y a quelques années, même Nouzou. Il y a eu des choses analogues, mais peut-être pas dans, un truc où il me semble qu'il y a des conséquences fortes, quoi. Et moi, j'ai connu des équipes qui n'auraient pas hésité à s'entraîner, même à moins s'entraîner ou mal s'entraîner, pour éviter. De faire progresser quelqu'un. On va dire que quand on faisait des matchs en équipe, avec les autres, on faisait exprès d'être mauvais, quoi. Aussi, ouais. Chacun sa façon de jouer. Lequel jouer. Chaque édition a aussi son leitmotiv. Le KLJV 7, c'était le KLJV de Team à un collier, mais il veut pas nous le dire. Le KLJV 8, c'était le KLJV de la consigne. Celui-là, c'est le KLJV du beau jeu. C'est tout. Et c'est là où Badi est pas là, tu vois. C'est là où il est. Ok. Non, mais voilà, après. J'ai posé la question, vous avez répondu. J'ai pas ajouté de plus. J'avais une curiosité par rapport à ça. Mais j'ai la réponse. Donc après, c'est tout. Hein. C'est pas un débat. Vous pouvez le continuer, par contre, je vous interromps pas, hein, bien sûr. Mais, On aime s'amuser sur des jeux pourris. Qu'est-ce que tu veux y faire? Ouais, non mais Loba, ça je le comprends. Et ça je le comprends. Et ça, y a pas de souci. Mais c'est quand j'ai l'impression que moi, c'est au détriment de la victoire d'une équipe sur l'autre, ou des meilleures conditions, d'optimiser les conditions. Possible de la victoire d'une équipe sur l'autre. Voilà. On s'est pas entraîné ensemble. Et surtout, comme là, il y avait vraiment, comme le principe est du jeu d'équipe, t'es obligé d'être 4, et même à 4, c'est pas représentatif du truc. Mm-hmm. Donc c'est vraiment. Ah, mais ça, d'accord. Mais la réponse. Il faut réussir à mobiliser son équipe, quoi. Ouais, ça, ouais. C'est... Mais je suis pas dans une équipe, alors moi j'ai une autre position et c'est comme ça, mais c'est vrai que moi je me dis putain, mais moi en équipe j'aurais dit au bout d'un moment, il est gentil Dragou, mais c'est bon, pas tous les soirs parce que il va, voilà, là il devient de plus en plus fort. Tant pis, on a des entraînements de merde, on va faire de la conduite de balle, on va se tirer des buts, je sais pas quoi, on essaie de se faire des challenges et tout pour progresser en maniabilité, on joue pas ensemble, mais faut plus qu'on l'entraîne parce que mardi, les autres s'entraînent pas, lui on l'entraîne, c'est lui qui a des grandes chances de nous gêner le plus. Mais mon point de vue n'aurait peut-être pas été celui adopté par une équipe en effet. Hein, parce qu'en, on retourne sur la semaine d'entraînement. Le truc c'est que moi je me suis pas mal entraîné au début contre les bots parce que j'avais cette espèce de pensée de dire. Ok, au moins, je vais peut-être pas m'entraîner, ça sera peut-être pas représentatif, mais au moins, je m'entraînerai à tirer, ouais. Un truc comme ça. Ouais, sauf que t'as trois ou deux bourrins qui te foncent dessus, grosso modo, en permanence. Ouais. Les bots sont strictement pas représentatifs de ce que tu auras, en fait, le mardi. Donc, au final, s'entraîner avec drag, ou alors il aurait fallu s'entraîner online, mais c'était pas représentatif non plus. Donc, on serait arrivé avec un setup, avec un entraînement pas du tout adapté, et on aurait tous balbutié. Au final, peut-être qu'on s'est dit, on est trois entraînés contre un entraîné, on a nos chances. Bon, ça a raté. Raté, ça a suffi. Ouais, voilà, mais bon. Tant pis. Hein.
Il n'y avait rien qui était représentatif de ce qu'on avait ce soir en termes d'entraînement. Ah, je m'en doute, mais ça fait partie de... Ouais, le KLJV, c'est malheureusement... Enfin, malheureusement, c'est le cadre, en effet. Les entraînements sont des fois difficiles, etc., puisque c'est pas des jeux qui sont tous... Celui-là est très bien encore, hein, celui-là est très bien. Mais c'est pas des jeux où il est forcément facile de s'entraîner et compagnie, ça c'est clair.